Bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, il est 19h30, un truc comme ça. On est à Carrefour. On a réussi à trouver un panier anti-gaspi, donc je vais vous montrer ça après. Et du coup, on en profite pour faire 2-3 courses. Il a fait une chaleur aujourd'hui. Ce matin, j'étais à la SPA. Et puis cet après-midi, j'étais à la maison. Je suis juste repartie rechercher monsieur. Et là, je suis en train de chercher s'ils vendent pas des mètres. Parce que mon chéri a cassé le sien. Ils en vendent. 3 mètres à 2,10 €. Ouais, je sais pas s'ils en vendent à Action. Donc voilà, on fait un peu de course et puis je vous montrerai le panier anti-gaspi après. Il est 20h, on vient de rentrer, donc je vais vous montrer ce qu'on a déjà acheté en course. Hein, et après, je vous montre le panier anti-gaspi. Déjà, on a pris de la rosette comme ça à 1 €. Mon chéri s'est pris une salade parce que demain, du coup, il retourne à la SPA. Donc comme ça, il va pouvoir avoir de quoi manger entre midi et 2. Donc du coup, il s'est pris une salade Sodebo comme ça. Ensuite, il y avait une promo sur le beurre. C'était 1,89 €, je crois. Et c'était moins 50 sur le deuxième. Et c'est des gros formats. Donc on avait besoin de beurre. C'est des formats de 500 grammes. Du coup, on en a pris deux. On a pris la promo. J'ai pris du pain de mie. Ensuite, un anti-gaspi, on a trouvé du bacon Herta à 2,23 €. Les glaces, elles étaient en promo aussi. Et c'est 2,25 € les 8 dupes des Magnum. Donc franchement, ça vaut le coup. Du coup, on a pris un paquet de glaces. Ensuite, on a pris un coulommier. Du gruyère râpé parce qu'on en consomme avec tout. J'ai repris ces chips-là parce que franchement, je les aime bien. Et je trouve que de la marque Pringles, bah franchement, ça vous... Voilà, je n'aime pas trop le goût du Pringles. Je trouve qu'il n'y a pas de goût. Et de la marque Carrefour, c'est à la crème d'oignon. Du coup, j'en ai repris deux. Franchement, j'en ai mangé un paquet. J'ai bien aimé. Donc, j'en ai repris deux comme ça. Et pour tester, j'ai pris barbecue. Voilà. Ensuite, toujours de la marque Carrefour, j'ai pris de la glace macadamia, comme ceci, vanille macadamia. Ensuite, j'ai repris deux lots de petites tomates cerises, elles sont à 99 centimes à Carrefour. J'ai pris des genres de peach, comme ça. Et pour finir, j'ai pris 4 baguettes comme ça, donc 3 plus 1 gratuit. Comme ça, on va en remettre au congèle. Donc on a été chercher le Too Good To Go. Carrefour le font pas tout le temps. Donc du coup, dès qu'ils le font, en plus c'est juste à côté de chez nous. Donc on fonce. C'était 5,90 € à la place de 18 €. Donc c'est la surprise. On va voir. Donc on a toujours un sac en tissu comme ça. Donc c'est plutôt cool. Alors, on a déjà de la salade. C'est de la roquette. Donc c'est toujours des anti-gaspi qui mettent en Too Good To Go. Ensuite on a... Ah c'est cool, des gaufres. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ensuite, on a une palette cuite. Donc c'est de la viande comme ça. Donc ça vaut 4,28 €. Donc c'est bon. Je connais pas moi la viande, je connais pas trop. Ensuite, on a des petits pots au chocolat, la laitière comme ça. Et ensuite, ah bah ça c'est cool. On a de la viande hachée comme ceci. Donc voilà. Donc on a eu 1, 2, 3. 4 et 5 articles, dont 2 morceaux de viande. Donc franchement, pour 5,90 €, c'est plutôt cool. Donc on va ranger tout ça et puis je vous laisse pour aujourd'hui. Bonjour, on est lundi, il est 10h30. Je viens de rentrer, je suis debout depuis 6h30. Je suis à moitié dans le noir, hein, avec la chaleur qu'il fait, c'est insoutenable. Je me suis levée à 6h30, j'ai aéré, voilà, mais même en aérant en haut, il fait super chaud. Et puis du coup, samedi, du coup, le chéri a refait une cabane. Et du coup, hier, il devait aller l'azurer, mais samedi soir, il a été très malade à cause du traitement. Donc du coup, hier, il s'est reposé toute la journée et là, je l'ai déposé du coup tout à l'heure pour qu'il puisse faire la lasure. Et j'en ai profité du coup pour aller à Action, pour aller faire un short. Mais aujourd'hui ça va pas du tout. J'ai dû me battre contre moi-même tout le long du trajet jusqu'à Action pour pas faire demi-tour. Je me sens très mal. Je me sens... je sais pas comment expliquer. Je suis prisonnière là de moi-même aujourd'hui. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison et de... Et je suis mal, ça fait partie de la dépression, il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, on va se lever un matin et on ne va rien pouvoir faire, donc voilà, donc du coup je vais prendre un petit déj, un jus d'orange, puis je vais manger un genre de peach que j'ai acheté à Carrefour,
Et je devais filmer, mais je suis pas du tout en état de filmer. Du coup, dans ces moments-là, en fait, je peux rien faire. Je me suis battue contre moi-même pour aller jusqu'à Action, alors que c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose d'agréable. Et ça a été tout un combat, et voilà. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu, mais bon, ça fait partie du. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Hein. Ça m'arrive pas souvent des phases comme ça, mais quand ça arrive, c'est très compliqué. J'ai envie de rien. Hier, j'ai pas mangé de la journée. Donc ça avait déjà commencé un petit peu hier, mais ce matin, en me levant, c'était encore. Voilà. Aujourd'hui, je vais devoir me battre contre moi-même pour faire chaque chose va être dure, en fait. Et malheureusement, il n'y a que les gens qui sont en dépression qui peuvent comprendre. Donc je vous avoue que c'est pas l'idéal, je voulais filmer, mais du coup ma vidéo de ce soir et de demain est prête, donc j'espère que demain ça ira un peu mieux pour que je puisse filmer. Et puis voilà, c'est. Vous pouvez vous prendre du coup un petit peu, mais c'est vraiment voilà, faut que ça passe. De toute façon, je peux rien faire d'autre. J'ai déjà un traitement, hein, mais voilà, en général, le traitement. Et puis, de toute façon, il faut que j'aille rechercher mon chéri tout à l'heure, donc il ne faut pas non plus que je m'assomme de cacher. Mais je vais rien faire. Je pense que je vais me reposer et puis je vais attendre que ça passe. J'ai pas grand-chose à faire, malheureusement. Donc voilà, donc là, je vais prendre mon petit déj parce que, comme je vous dis, j'ai pas mangé depuis samedi soir. Donc on est lundi aujourd'hui. Voilà, je commence à avoir un petit peu faim, donc j'en profite pour grignoter un petit bout. Et puis voilà un peu pour aujourd'hui. Bonjour, on est mercredi, il est 9h, presque 9h30 je crois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à faire parce que demain, du coup, on est en bénévolat à la SPA toute la journée, du matin jusqu'au soir. Donc du coup, il faut que j'avance dans mes vidéos. Je pense que vous comprendrez qu'en ce moment, je ne suis pas maquillée parce que franchement, il fait une chaleur. Là, ça va, ça se maintient un petit peu. Donc j'en profite ce matin pour filmer ma vidéo. Et puis du coup, vous aurez ce vlog, je pense, vendredi. Donc voilà un petit peu. Je me fais piquer de partout en ce moment parce que du coup le soir, ce qu'on fait, comme il fait hyper chaud en haut, il fait hyper chaud à partir du début d'après-midi jusqu'à la fin de soirée, c'est une catastrophe. Le matin, on arrive encore à tenir un peu. Là, il fait 27, je crois. On arrive un peu à tenir la fraîcheur le matin vu qu'on aère le soir et qu'on baisse le volet. Mais en fait, il y a des petits. C'est des volets électriques, vous savez, des volets roulants, et il y a des petits espaces. Parce que du coup, on ne peut pas laisser la fenêtre ouverte à cause des chats, bien sûr. Donc, ce qu'on fait, c'est que le soir, hein, du coup, on met les chats dans le couloir, on ferme la porte, hein, et du coup, on aère pendant 2 heures, de à peu près 21h, 22h à minuit. Donc voilà, donc, comme ça fait rentrer la fraîcheur, parce que sinon, c'est une catastrophe. Ce matin, je me suis levée un peu plus tard, 8h30, ça fait du bien. D'habitude, 6h30, 7h, 7h30, je suis debout. Là, je me suis réveillée à 8h30. Je voulais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise le matin, du coup. Je les avais achetés sur la boutique de Marion. D'ailleurs, le concours sort aujourd'hui pour moi. Donc, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Marion est en vacances en ce moment, donc voilà. Si vous envoyez des messages et que vous voyez qu'elle ne répond pas, elle est en vacances pendant. Je crois un bon petit moment là. Donc voilà. Mais je pense qu'elle doit répondre au message. Donc je suis à la gamme lait de chèvre. J'avais déjà acheté ça sur le site Notino il y a un petit moment déjà. Je l'avais beaucoup aimé. Et j'ai l'impression que ça fait du bien à ma peau. J'ai un peu moins de boutons en tout cas. Donc du coup j'ai le contour des yeux et la crème de jour tout simplement. Et la crème de jour j'en mets pas beaucoup. C'est de la marque Ziaja. J'en mets pas beaucoup. Il en suffit vraiment de pas grand chose et écoutez, ça a l'air de. En tout cas, ça fait du bien à ma peau et j'ai un peu moins d'imperfections, donc c'est plutôt cool. Hein. J'ai rajouté ma petite chouette là. J'ai testé aussi, je l'avais acheté l'année dernière à Action, ce produit là. Ils l'ont pas refait cette année. C'est un gel. Alors, je sais pas s'il faut le mettre avant ou après la piqûre, mais je pense que je me fais manger par les araignées en fait. Le fait d'ouvrir le soir, je pense que c'est les araignées qui me piquent. Et du coup j'ai essayé ce produit là sur une piqûre parce que je me fais bien piquer au niveau des jambes. Ça marche pas du tout, voilà, ça apaise rien du tout. Voilà. Je crois que j'avais acheté l'année dernière mais je crois pas qu'ils l'ont refait cette année. Donc voilà, du coup ce produit là il est pas top. Les échantillons sont revenus un petit peu donc ça c'est plutôt cool. Hier j'ai reçu un petit échantillon de parfum de la marque Guerlain.
C'est le Acqua Allegorio Forte. Donc c'était une offre de rapidité avec Sephora. Et du coup, on a eu un petit échantillon de parfum. Donc ça fait plaisir. Voilà, ça revient les petits échantillons. Donc du coup, je les mets de côté. J'essaierai, je verrai si j'en ai plein, je ferai une vidéo du coup. Donc pour l'instant, tous ceux que je vous montre en vlog, je les mets de côté. Et j'avais reçu aussi le magazine Lego qu'on reçoit assez souvent. Le petit va être content, on va bientôt aller le chercher d'ailleurs pour les vacances, il va venir à la maison. Donc voilà. Donc j'essaye d'avancer, là je vais faire mes produits terminés du coup pour... on est quoi aujourd'hui? On est mercredi pour jeudi. Je pense que vous aurez ce vlog pour vendredi. Il va pas être très très long parce que bah, avec la chaleur malheureusement on fait pas grand chose. Aujourd'hui, il faut du coup que je filme mes produits terminés. Je ne serai pas maquillée, hein, je pense que vous comprendrez. Du coup, j'ai eu des petites ventes sur mon Insta de vente. Merci énormément de m'aider. Beaucoup m'ont parlé du Bon Coin. Alors, j'avais essayé de regarder, mais j'avais pas vu beaucoup de maquillage. Donc, écoutez, je vais essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Donc, merci de vos conseils. Je vais essayer sur le site Le Bon Coin. On verra bien s'il y a des petites choses qui peuvent partir, même si du coup, il y a quand même... pas mal de petits trucs qui sont partis. Donc voilà, si ça vous intéresse, s'il y a des produits qui vous intéressent que je vous avais montré dans le déclutteur, envoyez-moi un message sur Instagram. Ça sera via PayPal du coup. Donc voilà, parce que beaucoup m'ont demandé du coup comment on fait. N'hésitez pas, il faut que je réponde aussi à vos commentaires. J'ai un petit peu de retard, faut pas que je reprenne trop de retard. J'essaye de les faire au fur et à mesure pour pas prendre de retard. Et du coup, j'ai un colis à déposer à la poste hein, et deux Mondial Relais à déposer aujourd'hui. Et puis, ce sera déjà plutôt pas mal. Donc voilà, merci en tout cas à vous. Les 8000, on est en train de... Voilà, je sais que le concours va sortir, on est 8090 je crois. Ça fonce à une vitesse... merci, merci, merci. Donc voilà, le concours du coup sera en ligne. Sera déjà posté quand vous verrez ce vlog. Donc n'hésitez pas à participer. Bien comme je vous ai dit en m'envoyant un mail sur mon adresse mail, bien me mettre votre pseudo YouTube, hein, vraiment pour que je puisse faire le lien avec votre commentaire. Donc encore une fois, voilà, vous avez juste à être abonné à ma chaîne, à liker ma vidéo, à la commenter sans mettre je participe hein, au concours. Du coup m'envoyer un mail pour votre participation. C'est avec le du coup c'est avec le mail, les mails que je ferai le tirage au sort. Et bien me mettre votre pseudo YouTube, hein, surtout, pour que je puisse faire le lien et voir si vous avez respecté les conditions. Ça sera ouvert, du coup, à la France et à la Belgique, vu que ce soit un envoi Mondial Relais. Il faudra que je commence aussi, du coup, à emballer les petites choses hein, pour que ça parte. Le concours, il est jusqu'au 26, il me semble. Donc, je pense que ça partira début août. Voilà, je vous les enverrai début août. Si vous êtes en vacances, prévenez-moi que je ne vous envoyais pas le colis et que vous ne soyez pas là pour le récupérer surtout. Mais voilà, du coup, un petit peu. En tout cas, les petits produits Ziaja, je les aime beaucoup. Voilà. Si Marion les a pu sur sa boutique, vous les retrouvez sur le site Notino notamment. Donc voilà, j'ai fait une petite commande Temu parce qu'il y avait une offre sur Facebook pour les nouveaux clients. Donc j'ai acheté trois genres de petits pyjamas. 1,44€ et c'était la livraison gratuite, donc je ne suis pas... voilà, on va voir un petit peu. Et j'ai fait aussi une petite commande sur Shein. Il y a le Shein en collaboration avec Harry Potter qui est sorti. Donc ça a l'air assez sympa. J'ai commandé qu'une petite palette hein, verte. C'est celle qui m'intéressait le plus. Même si je dois vous avouer que les gloss en version potion m'intéressaient, mais 16€ là, c'est pas possible. En ce moment, le budget YouTube, il n'est pas du tout là. Et puis j'ai recommandé aussi 2-3 trucs sur AliExpress, donc quand ça arrivera du coup je vous ferai un haul global Shein, AliExpress, Temu. Voilà, pour l'instant vous n'allez pas avoir de haul action hein, parce que bah, encore une fois il n'y a pas vraiment de budget. Ce qui est bien sur AliExpress c'est quand il vous reste 3-4€ vous pouvez acheter 2-3 trucs. Mais voilà, le budget n'est pas vraiment là. Je pense que vous comprendrez. Et puis voilà, donc du coup je vais faire les produits terminés. Je vais monter ce vlog pour vendredi, comme ça sera prêt. C'est comme demain, toute la journée on n'est pas là et que je pense que vendredi je vais me reposer. Donc au moins comme ça la semaine sera bouclée. Je ne sais absolument pas ce que je vais vous faire pour la semaine prochaine. Voilà, je manque un peu d'idées, mais on va bien trouver. Donc voilà, donc désolé c'est un peu du blabla dans les vlogs en ce moment, mais encore une fois voilà, avec la chaleur il ne se passe pas énormément de choses. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir regardé et je vous dis à très vite.